Le match commence, on espère bien sûr que le rythme sera endiablé. Voyons quelle surprise il nous réserve. C'est peut-être l'occasion d'ouvrir la marque. Il est repoussé par le poteau. Tout à fait remarquable. Ils font la course en tête pendant les premières minutes de la rencontre. Un véritable coup de bouton. Ils ont ouvert la marque, c'est bien parti pour eux. Ça, c'est demander s'ils ne veulent pas vaincre en faisant mourir d'ennui leur adversaire. Senderos. La balle est toujours pour eux. Cabañas. C'est beaucoup trop maladroit. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Bien vu. Il n'a pas arrêté, mais il a réalisé une très belle parade. Corner. En plein cœur de la surface. Makélélé. Aucune difficulté pour le goal. Fischer. Strehler. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Et Malouda. Qu'est-ce qu'il peut faire? Sans problème pour le gardien qui fait la loi dans la surface. Pour Henry. Govou. Il recherche un appui. Un bon ballon qui leur permettrait de prendre de large. Écarté de la tête par le défenseur. Cabañas. Il reprend le ballon maintenant. Makélélé. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. C'était bien vu de faire un bon pressing offensif. Ils doivent être déçus de ne pas avoir marqué. Pour Henry. Charge irrégulière, coup franc. Le joueur risque gros, mais non, il le top d'un simple avertissement verbal. Il devra quand même faire attention. Ils ont vraiment mis le turbo sur l'aile gauche. C'était un bon essai, mais pas ce qu'il voulait. Pas tout à fait ce qu'il avait à l'esprit. Govou. Encore 2 minutes dans les arrêts de jeu. Il cherche un soutien. Il va pouvoir centrer. Mais oui, c'est au fond. C'est absolument splendide. Ceci leur permet de doubler. Ils font un très bon match, Jean-Luc. L'entraîneur doit être sur son petit nuage. Ouais, effectivement, Christian. Le travail à l'entraînement est en train de payer. Degen. Le duel est remporté, c'est bien. Makélélé. Va-t-il passer à travers? La première période se termine. Les entraîneurs auront sûrement des choses à dire à leurs joueurs. Les 45 dernières minutes de ce match viennent de débuter. Comment le jeu va-t-il évoluer? On change de côté pour la deuxième mi-temps. Il n'est guère soutenu. Pour Fry. Et Vogel. Senderos. Pour Müller. Vogel. Senderos. Ils ont toujours le ballon. C'était à prévoir. Autour du goal de jouer. Henry. Oh, ça va vite. Ballon repoussé des points. Corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Il est dégagé. Ah là là, une occasion en or. Pas de... doute, ils sentent la pression maintenant. Il passe sous le nez du gardien. Et Hakan Yakin. Bonne interception. On peut relancer. Vira. Pour Makelele. Govou. Coup franc accordé. Nous sommes presque dans le dernier quart d'heure. Berami. Belle transversale. Et Makelele. Govou. Et Wiltord. Il cherche maintenant du secours. Peut-être un centre. Il tire au but. But! Il creuse davantage l'écart avec ce troisième but. Berami. Pour Vogel. Akanyakin. Cavagnas. Et Wiltord. Fischer. Pour Vogel. Berami. On va jouer 2 minutes de plus. Strehler. C'est bien défendu, le danger est repoussé. L'arbitre met fin à la partie. Il débute la ligue d'une façon parfaite. Ils ont pris un départ. Accrochez-vous dans votre fauteuil, la partie s'annonce très serrée. Qui souhaite le plus remporter le match ? Il était bien placé pour l'intercepter. Bonne descente sur le côté droit. Il va la chercher dans l'espace et se lance sur le couloir droit. Pourrait-il tenir de cette façon-là ? C'est dégagé. Sagnol. Il pourrait changer l'orientation du jeu. Ils se défendent bien, même très bien, je dirais. Défense vigoureuse ici. Erreur défensive, ils vont peut-être en profiter. 15 minutes se sont écoulées. Et Sagnol. Makelele. Et Vira. Pour Wiltord. Il cherche un soutien. Peut-il marquer? L'attaque ne donnera rien. Makelele. Là-bas! Ils ont été dangereux sur cette action. Ils doivent être très frustrés de ne pas avoir marqué. Et Henry. Ils cherchent maintenant du secours. Ils ont toujours le ballon. La progression continue. Arrêt! Le gardien était prompt à intervenir et il a écarté le ballon des 2 points en corner. Il arrive devant le nez du gardien. Wiltord. Et Vira. Bonne passe. Le ballon est frappé. Ils ont une nouvelle occasion de but. Qui va le prendre dans la surface? Attention à ses fautes, coup franc. Sagnol. Abidal. Oh, les défenseurs sont vraiment à la traîne. Quelle belle occasion! La frappe est stoppée par le gardien. Pour Henry. Action dangereuse, il peut marquer. Il a trouvé le petit filet juste à côté du poteau. Il a choisi d'y aller tout seul, mais c'était pas la bonne décision. L'arbitre siffle la fin de la première période et les joueurs quittent le terrain pour une pause bien méritée. Deuxième période, sera-t-elle plus intéressante que la première? Ils ont changé de côté pour cette deuxième mi-temps. Il doit tromper le gardien. Le tir a été dévié. Il passe sous le nez du gardien. Quel cafouillage, le ballon est récupéré. Il faudrait choisir le centre. Une défense intraitable, superbe. Pour Henry. Avec un peu de chance, ça peut aller au fond. Goal! Quel ballon travaillé du pied droit. Ils ont pris l'avantage. Ils ont pris l'avantage. Comment le match va-t-il se développer maintenant, Jean-Luc? Du point de vue des supporters, ce but est une bonne nouvelle. Leurs adversaires maintenant ne peuvent plus se contenter de laisser faire. Superbe défense ici. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Il l'a. Pas de problème pour le gardien. Abidal. Il faut jouer le ballon, pas le joueur. Coup franc. Pour Dorasso. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Descente côté gauche. Ça y est. Action dangereuse, il peut marquer. Coup franc pour l'équipe adverse suite à cette faute. Carton jaune. La décision peut sembler rude, mais l'arbitre a toujours raison, comme vous le savez. On doit jouer le ballon et pas le joueur. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Qui va le prendre dans la surface? Très mauvais dégagement. Bonne descente sur le côté droit. Une occasion en or sur ce ballon volé. C'était un ballon bien rendu. Nouvelle interception. L'arbitre met fin à la rencontre. Par cette victoire, ils accèdent à la phase finale. Voilà, le match vient de commencer. On s'attend à du beau jeu de part et d'autre. Ils vont évoluer en 4-4-2 classique cette fois-ci. C'est vraiment un super défenseur, on le voit là-dessus. Dorasso. Wiltord. Il n'est guère soutenu. Diarra. Très bonne anticipation de la défense. Attention, ils peuvent marquer sur ce ballon perdu. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Et Wiltord. Il a la possibilité de centrer. Le défenseur avait bien vu et il a bien dégagé. C'est un corner. Il envoie au milieu de la surface. Une nouvelle occasion et peut-être cette fois un but à la clé. Corner à la rémoise. Va-t-il frapper? Pour Sylvestre. Oh, c'est une belle balle. Dorasso. Ils peuvent centrer encore. Govou. Il frappe de toutes ses forces. Bonne parade. Keenan Hill. Choum Kungyo. Une défense intraitable, superbe. Et très aiguë. Pourra-t-il continuer? Bien vu. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Le gardien a choisi de dégager des 2 points. Il y aura donc corner. On joue rapidement. La défense est menacée à gauche. Quelle belle occasion. Oh, et c'est dedans. Quel but. Ils ont fini par tromper la défense. Abs. 1-0. Le score est ouvert. Keenan Hill. Kim Dong-jin. Park Ju-yong. Il gêne son adversaire et récupère la balle. C'est parti pour une longue course. 5 minutes restent à jouer avant la pause. Et un but seulement sépare les deux équipes. Allez, il y est presque. À quelques centimètres, mais c'est dans le petit filet. Il a raison de faire le pressing sur le gardien. Et ça n'a pas suffi. Et très aigué. Il y aura 2 minutes d'arrêt de jeu. Va-t-il passer à travers? Han Jung-wan. La première période se termine. Les entraîneurs auront sûrement des choses à dire à leurs joueurs. Nous voilà dans la deuxième mi-temps. Les entraîneurs des deux camps ont mis les choses au point durant la pause. Y aura-t-il des changements tactiques? On change de côté pour la deuxième mi-temps. Le gardien est en danger. Et Wiltord. Une bonne occasion de centrer du couloir droit. Il faut qu'il marque ici. Il se jette sur le rebond. Un but absolument remarquable. Ils ont augmenté leur avance. Ils n'ont pas perdu de temps pour augmenter leur avantage, n'est-ce pas Jean-Luc? Oui, et on a l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent. Lee Chun-so. Oh, cette défense, c'est du béton. Ça paraît simple, mais c'est du jeu de qualité. Keenan Hill. Le ballon est pour l'autre équipe. La défense doit exercer un marquage individuel. Très aigué. Oh, c'est au fond. But! Eh bien, Jean-Luc, une différence de 3 buts entre ces deux équipes. On dirait bien que le match est terminé pour eux. Oui, Christian, ça me semble évident. Il continue encore sa course. La balle change de propriétaire. Lee Yoon-jong. C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. En plein cœur de la surface. Que va faire le gardien? Il va prendre sa chance. Et Malouda. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Il fonce sur le flanc droit. Kim Do-eon. Il peut centrer à partir du côté droit. Une défense impressionnante. Ils ont l'air imbattables. Frappe directe. Directement dans les gants du portier. Et Dorasso. Bonne action, le ballon est récupéré. Une passe en profondeur et dans le tempo. Il a dû manquer de concentration, c'est hors du cadre. C'était pas mal d'y aller tout seul, mais il lui manquait un mètre ou deux. Et Malouda. Deux minutes de temps additionnel. Ils tiennent bon. Ribéry. Bonne passe. Va-t-il marquer? Il quitte sa ligne de but et il va le stopper. L'arbitre siffle, c'est la fin du match. Ça n'a pas été compliqué aujourd'hui. Eh bien Jean-Luc, comme tu l'as prévu, ils l'ont emporté. Oui Christian, j'étais beaucoup plus déterminé aujourd'hui, mais leurs adversaires ont eu beaucoup de mérite. Pas de cadeau entre ces deux équipes, une rencontre pimentée en perspective. Ce sera intéressant de voir comme ils ouvrent le match. Rosine. Il cherche un soutien. Ils reprennent le ballon. Dira. Il veut passer en force. Défense vigoureuse ici. En profondeur pour un partenaire. Et Ouzine. Nesmachny. Russell. Hors-jeu, les défenseurs ont l'air soulagés. Pour Malouda. Makelele. Est-ce qu'il peut frapper? Zidane. n'a pas réussi à la bloquer, mais il préserve son but en dégageant des points. Corner. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Bientôt une demi-heure de jeu dans la première mi-temps. Il lui a piqué le ballon. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bonne progression dans le couloir gauche. Pour Henry. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Timoshiuk. Pas moyen de l'arrêter. Il a instinctivement deviné la passe. Cette attaque ne donnera rien. Toujours pas de but et nous approchons de la mi-temps. Il n'abandonnera pas. Et Shevchenko. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Pour Makelele. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. La défense doit être plus vigilante sur son côté gauche. Henry, tout à fait remarquable. C'est le premier but de ce match. Pendant le temps, ils ont bien mérité ce but, n'est-ce pas Jean-Luc? Oui, certainement, c'était un peu prévisible. Lucien. Shevchenko. S'ils réussissent son centre, ils peuvent égaliser. Le ballon est toujours pour eux. Pour Vieira. L'arbitre siffle, c'est la mi-temps et tout le monde va aller dans les vestiaires. Comment décrirais-tu le match jusqu'ici? Début de la seconde période, les entraîneurs observent leurs joueurs. Vont-ils respecter les consignes données à la pause? Ils ont changé de côté pour cette deuxième mi-temps. Boussière. Il lui a piqué le ballon. Celui-là est intercepté. Vorobey. Cousine. Bien vu. Et la faute est commise, il y a coup franc évidemment. Oula, chacun vient se mêler à l'arbitrage maintenant. Va-t-il trouver un partenaire? Le gardien était prompt à intervenir et il a écarté le ballon des 2 points en corner. En plein milieu de la surface de réparation. C'est pas mal sur le plan défensif. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Le couloir de droite, c'est une possibilité. Timoshiuk. Il recherche un appui. Pour Henry. Ribéry. Il a porté le ballon vers l'avant. Une bonne occasion de centrer du couloir droit. Sagnol. Et Zidane. Bonne passe. Malouda. Le gardien a bien vu que ça passait loin. Pas de chance sur ce tir. Pourtant, il avait su se mettre en bonne position. Timoshiuk. Et Trezeguet. Malouda. Pour Vieira. Il l'a. Il peut frapper ici. Et voilà le tir. Attention à ce ballon, ça peut être dangereux par la suite. C'est maintenant une remise en jeu. Et Shevchenko. Vieira. Il tente de passer vers l'avant. Finement joué. Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Quel but extraordinaire! Il leur serait bien difficile de perdre ce match maintenant. Quelle jolie frappe du gauche! Ils ont encaissé le but au plus mauvais moment imaginable, n'est-ce pas Jean-Luc? Vous avez tout à fait raison Christian, ils doivent jouer le tout pour le tout. Moins de 5 minutes avant la fin du match, il semblerait qu'ils aient décroché une place en quart de finale. C'est un mouvement astucieux pour couper la passe. Shevchenko. Bon réveil. C'est bien appuyé, mais pas assez cadré. Je pense que la balle a été déviée parce que le contrôle n'était pas bon. Coup de sifflet, c'est terminé. Ils peuvent donc passer au tour suivant. Alors Jean-Luc, des commentaires? C'était une rencontre intéressante. Les quarts de finale viennent de commencer. Les deux équipes vont essayer de jouer serré au tout début. Abidal. Et Zambrota. Nesta. Et Zambrota. Nesta. Et Fabio Cannavaro. De Rossi. Pour Pirlo. Et Nesta. Camoranesi. Pour Del Piero. Dans l'axe, c'est toujours dangereux. Cette contre-attaque s'annonce superbe. Il leur oppose du point. Le portier récupère le ballon. Pour Materazzi. Camoranesi. Pour Henry. Le ballon est toujours pour eux. Et Zidane. Sagnol. Bien vu. Oh, il y aura peut-être but. Une bonne occasion de centrer du couloir gauche. La défense devra faire attention sur cette touche. Que va-t-il décider? C'est beaucoup trop loin du poteau droit. Ah, première occasion de but, enfin. Espérons que ce ne sera pas la dernière. Pour Zidane. Malouda. Vira. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? La touche est concédée, elle peut être dangereuse. Ils peuvent centrer du côté droit. Malouda. Oh, c'est au fond. But! Il mène. Quel volet magnifique! Ils ont ouvert la marque, c'est bien parti pour eux. Et Gilardino. C'était à prévoir. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Un seul but d'écart à 5 minutes de la pause. Et Malouda. Zidane. C'est beaucoup trop imprécis. Del Piero. Pirlo. Pour Camoranesi. 1 minute de temps additionnel. Govou. Pour Makelele. Vira. Une attaque amorcée grâce à ce ballon en profondeur. Attention, il faut s'appliquer sur les centres, c'est important. Fin de la première mi-temps et les joueurs regagnent les vestiaires. Je me demande ce que va dire l'entraîneur. Et tandis que la deuxième mi-temps débute, on s'attend à une période mouvementée. Les deux équipes ne changent pas, pas de remplaçant. Makelele. Que va-t-il faire? Il fallait intervenir et c'est fait. Ça sent le roussi sur le flanc gauche. C'est une bonne touche, mais il faut s'appliquer. Bonne progression dans le couloir gauche. Il a l'opportunité de centrer. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Il prépare sa frappe. Le gardien me semble un petit peu nerveux. Il peut remercier son défenseur. C'est net et sans bavure. Quel défenseur! Un débordement sur le flanc gauche grâce à cette passe. Corner. Il passe sous le nez du gardien. Très égay. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Ah, je trouve que la construction était bien meilleure que la finition. Il n'est guère soutenu. Zambrota. Va-t-il frapper? C'est pas bien joué, la passe est ratée. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. Et Makelele. Zidane. Ça chauffe dans la surface. Il va se créer une nouvelle occasion. Va-t-il réussir son centre? Facile pour la défense. Et Sagnol. Et Zidane. Il faudrait choisir le centre. Dans la surface de réparation. Il peut frapper rapidement. Il va pouvoir marquer. Charge irrégulière, coup franc. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. L'arbitre met fin à la partie. Il se retrouve en demi-finale. Dirais-tu que le match s'est déroulé comme on l'imaginait, Jean-Luc? Plus ou moins, oui, mais il y a quand même pas mal de choses à ajuster. Cette fois, c'est vraiment... Coup de sifflet de l'arbitre, ouverture des demi-finales. Voyons quelle surprise il nous réserve. Ça manque de précision. Ils reprennent le ballon. Quelle gaffe, il faut faire attention. Eh oui, c'était imprécis. Bonne interception. Pour Campbell. Lampard. Et Rooney. La balle n'est pas passée. Sagnol. Une frappe à travers la défense. Aucun répit pour la défense sur cette action. Solide défense dans la surface. Zidane. Oh, il était important ce dégagement. Belle lucidité des défenseurs. Abidal. Tout est parti de cette passe sur la gauche. Ils ont fait l'impossible pour empêcher le ballon de rentrer dans la surface. Genas pour Rooney. Owen. Face à face avec le gardien. Et il était là. Il poursuit son action. Zidane. Ça paraît simple, mais c'est du jeu de qualité. Il reste un quart d'heure à jouer avant la pause. Va-t-il passer à travers? Il a mis le pied sur le ballon. Et une attaque opérée sur la droite avec ce ballon en profondeur. Henry, belle action, mais la frappe n'est pas précise. Oh, il savait bien ce qu'il faisait, mais il n'a pas réussi à la mettre dans la lucarne. Jolie feinte. Bon pressing, le joueur récupère le ballon. À 5 minutes de la pause, je me demande si un attaquant va finir par trouver le chemin des buts. Et Lampard. Ashley Cole. Et Lampard. C'est un bon travail défensif. L'arbitre siffle, c'est la mi-temps et tout le monde va aller dans les vestiaires. Début de la deuxième mi-temps. Allons-nous avoir une seconde période aussi disputée? On change de côté pour la deuxième mi-temps. Passe aérienne en profondeur. Le drapeau est levé, il était légèrement hors jeu. Gérard. Et Joe Cole. Ils cherchent maintenant du secours. Ils gardent la maîtrise du jeu et poursuivent leur attaque. Les arrière-droits doivent rester vigilants. Va-t-il y avoir but? Bien reçu. Coup franc intéressant pour leur adversaire. L'arbitre semble lui dire de se calmer. Pour Vieira. Ils sont bien en place à gauche. Et voici le centre. Pourront-ils tenir de cette façon-là? Lampard. Ils peuvent contrer. Joli duel, le ballon est gagné. Pour Gérard. Gary Neville. Et Gérard. Il cherche un soutien. Corner. Excellent travail de pressing de la part de la défense. Il tire au premier poteau. Il faudrait choisir le centre. Solide défense dans la surface. Pourra-t-il continuer? Il manque vraiment de coordination. Lampard. Owen. Walcott. Et la faute est commise, il y a coup franc évidemment. Pas mal ce centre. Owen. Légèrement à côté du poteau droit. Ouais, je crois que la défense était surprise et le marquage n'était pas très strict. Joli appel en profondeur sur le côté. Pour Makelele. Que va-t-il faire? C'était presque au fond des filets. Bon, le gardien va sûrement demander des comptes à sa défense pour ne pas avoir réagi. Ils ont déjà joué 1h30 et ils vont rajouter à cela 30 minutes pour la prolongation. Et la première partie de la prolongation vient de débuter. Un match nul semblait inévitable bien avant la fin des 90 minutes. Jean-Luc, il faut s'attendre maintenant à ce qu'il y ait des prolongations. Oui, parce que c'est difficile de trouver une différence entre ces deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre. Ses partenaires sont prêts à recevoir le ballon. Trezeguet. But! Ceci pourrait être décisif. Juste avant la pause de la prolongation. 1-0, première occasion et premier but dans ce match. Jokol. Pour Gérard. La situation est bien contrôlée. Et Gérard. Ils peuvent centrer du côté gauche. Attention, énorme danger. Lampard. Un but absolument remarquable. C'est un match de plus en plus excitant, Jean-Luc. Certainement, Christian, mais en tous les cas, c'est un vrai plaisir d'être ici. Il cherche maintenant du secours. On s'achemine maintenant vers la deuxième période de la prolongation. On espère. Les joueurs doivent être épuisés dans cette deuxième période de la prolongation. Voyons si cette deuxième période peut nous sortir un gagnant. Il a remis le ballon en retrait. Très belle passe en profondeur. Trezeguet. C'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. Bon travail et bonne possession du ballon. Et Lampard. Finement joué. Bonne combinaison. Va-t-il y avoir but? Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. On est reparti très vite de l'autre côté. Bien défendu, le ballon est récupéré. Fin de la prolongation. Quel que soit le nombre de séances de tir au but auxquelles ils ont déjà participé, les joueurs, même les plus expérimentés, savent très bien qu'ils peuvent s'écrouler dans cette épreuve. Il marque lui aussi, 1 partout. Super penalty, beaucoup de sang-froid. Le score est maintenant de 1 partout. Ils ont égalisé. Le ballon est au fond. C'est le capitaine qui va tirer. But! Il a raté le cadre. À mon avis, il a voulu frapper beaucoup trop fort. Le gardien a été trompé. Le ballon est au fond. Si le gardien n'avait pas bougé, il l'avait tranquillement dans ses bras. Le ballon est au fond. Question de survie, peut-il réussir? La balle est au fond des filets et les supporters sont debout. Cela peut être le but de la victoire? Oui, oui, magnifique, il a marqué le but de la victoire. Celui-ci fait la décision. Ils ont assuré une place en finale. Le match a été très disputé, Jean-Luc, jusqu'à la série des tirs au but. Ah oui, ce fut un match de costaud, du début à la fin. Et l'arbitre siffle le début d'une finale qui devrait être passionnante. Il ne voit pas de raison de changer de dispositif. Il lui a piqué le ballon. Et Cafou. Joli duel, le ballon est gagné. Ça peut se terminer au fond. Duel remporté par le défenseur. Adriano. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Ronaldinho. Pour Ronaldo. Ronaldo. Malouda, 15 minutes de jeu à l'horloge. Oh, les défenseurs sont vraiment à la traîne. Sagnol, c'est pas mal, mais pas assez précis. Emerson. Rien à dire sur ce tacle, dit monsieur l'arbitre. Ça y est, il doit trouver une solution. Il lui a piqué le ballon. Sûrement celui-ci. Vira. Encore 15 minutes avant le coup de sifflet de la mi-temps. Henry. Il passe le ballon au gardien. Il veut passer en force. Ils sont en bonne position à droite. Non, il n'a pas vu son partenaire. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. Ils n'ont pas de réussite quand même, parce que le gardien n'était pas très concentré. À 5 minutes de la mi-temps, personne n'a encore ouvert le score. Zidane. Ribéry. Fin de la première période, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Les entraîneurs ont sûrement plein de choses à dire. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Les entraîneurs ont sûrement remotivé leur troupe. Voyons le résultat sur la pelouse. Pas de changement alors que nous entrons dans la deuxième mi-temps. Pour Kaka. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. Bien contrôlé. Makelele, Ribéry, Zidane et Malouda. Il l'a. Bonne passe. Ils ont fait l'impossible pour empêcher le ballon de rentrer dans la surface. Makelele, Ribéry. Il l'a. Zidane. Un autre tir bloqué par le gardien. Il doit vraiment se demander comment faire pour le battre aujourd'hui. Roberto Carlos. Kaka. Ricardinho. Il faut jouer même si le joueur est tombé. La balle n'est pas passée. Ils ont de la colle sur les chaussures. Le ballon est pour eux. Il a instinctivement deviné la passe. Henry. Balle au pied, toujours à l'attaque. Il est passé. La balle est sortie, 6 mètres. Double changement opéré par l'entraîneur. 0-0, deuxième mi-temps. L'entraîneur décide de faire entrer un joueur du banc. Govou. Il recherche un appui. Ebira. Wiltord. Ça s'est futé en profondeur. C'était un tir délicat, mais le gardien l'a bien saisi. C'était bien cadré, mais le tir manquait de puissance. Bon retournement de situation, il a le ballon. Lucio. Bien vu. Quelle agilité. Il va peut-être marquer. Zidane. Quel but absolument extraordinaire. Voilà un but capital à un moment crucial. Nous avons enfin un premier but. Oui, et ça pourrait être un but décisif car il a été marqué au meilleur moment possible. L'arbitre assistant annonce 1 minute de temps additionnel. Il tente de passer vers l'avant. Plus que le gardien à battre. Et le gardien se trouve surpris. Magnifiquement bien joué. Ils accroient leur avantage. Durant le temps additionnel, il vise droit, plein cadre. Ils ont encaissé le but au plus mauvais moment imaginable, n'est-ce pas Jean-Louis? Oui, c'est un coup mortel. Ils doivent marquer rapidement pour rattraper leur retard. Il n'y a rien à dire, c'est une faute intentionnelle. C'est peut-être leur dernière action. Quel mauvais dégagement! La défense a tenu bon jusqu'ici. Fin de la rencontre. Ils l'ont fait. Ils ont gagné la coupe. Ils ont finalement atteint leur objectif pour le plus grand plaisir de leur entraîneur et surtout de leurs fans qui sont nombreux à célébrer cette victoire dans le stade et dans le monde entier. Ils remportent le titre. On se souviendra longtemps de ce jour. Ils sont champions. C'est toujours excitant de voir un match aussi disputé et surtout un champion de cette qualité.